témoigne notre vie à l'heure actuelle, donc là, tel que la vie se passe, le monde se passe. Pour que dans 50 ans, 100 ans, que mes œuvres puissent exprimer cette époque-ci. L'Afrique, pour moi, c'est la femme africaine. L'individu africain en général, mais la femme particulièrement, puisque je suis femme. Et une femme qui vit dans l'horreur, la terreur, la peur, les guerres. Une femme qui appelle au secours en présentant son petit enfant. Une femme qui désespère à la limite, mais qui s'accroche dans la culture. Si vous voyez au fond, vous allez voir deux individus qui tiennent une cloche. Cette cloche, chez nous, c'est un symbole d'espoir. C'est aussi un symbole de communication avec les autres tribus, les autres ennemis, les gens, les autres dans le monde. Donc, elle est une femme qui veut croire et qui croit même quand la culture, il est encore possible d'avoir une autre Afrique, une Afrique positive, une Afrique où on peut rattraper la paix.